Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Colo-Bruyère, on va se faire une belle petite sortie je pense physique et quand même assez technique. On va là avec les copains, allez à tout de suite en vidéo. Jamendo.com. Allez, c'est parti! Il est mort, le soleil! Il est loin de l'école. Et la salle? La chasse qu'on a! D'entrée, petite montée de la mort qui tue. Putain, il y a un bagouille. Allez, feu! Allez, on est parti. Première descente. La descente des cactus. On a David devant. Je me sens pas. D'habitude, mais là, je me sens pas. Il est descendu, David Bravo. Bon, ça glisse un peu, ça ravine vachement. Ça va, il s'est pas fait mal, c'est là l'essentiel. Philippe, Philippe Tassard. C'est juste parce qu'il y a la caméra. Cette première descente alors. Ah bien glissant. Quelle descente? On a, monté. On avait dit du technique, on a commencé par du technique. Voilà, ouais. Ah.
On fait les chameaux alors, regardez, regarde derrière comme c'est beau. Regarde derrière. On va pas grandir, putain, ceux-là, dès qu'il y a une petite descente, ils descendent plus. Hein. C'est clair. Où ils nous emmènent, mais on fait que pousser dans des montées de folie. La descente tout à l'heure c'était pas mieux, on a été obligé de pousser là, sur la bonne moitié. Voilà, un peu dépité quand même. Allez, allez. C'est passé. Voilà. Bon, on est sur une super longue montée, ça va faire deux trois bornes à la ramasse. Mais il y a le beau temps, il y a les copains, on se régale. Voilà, 10 km, 600 mètres de dénivelé pour avoir ça. Yeti the best. Chier, je peux pas le prendre, mon beau Yeti de El Diablo est magnifique. Et là, papa, n'est pas peur. Les japonais. Eh, j'en profite pour vous montrer 4 têtes de gland. Ça glissouille, ça glissouille, hein. C'est compliqué parce que j'ai plus de vitesse. Ah.
Ouf. Ça freine juste plus bas. Simply the best. Ah oui! Oh putain! Ça va? Ouais, c'est bon, c'est bon. Au top. Elle a bien raviné quand même. Au top. Oh putain. Ouais. C'est souvent arrêté donc du coup c'était un peu la merde. Belle descente pour clôturer cette sortie physique et technique. Fatigué. Je l'attendais. On fait des ruelles. Bon ben voilà, sortie finie, comme vous avez dit, bien technique et bien physique, enfin moi j'ai bien morflé. Heureusement qu'il y a les collègues chaque week-end pour nous motiver un petit peu et dépasser les limites. C'est toujours un régal de rouler avec eux. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.